Et à que coucou bien le bonjour tout le monde, c'est Néo, aujourd'hui on se retrouve pour le 12e épisode de Dust Anomalies and Tale. Et cette musique en fond que vous n'entendez sûrement pas, parce que c'est peut-être pas assez fort, mais donne des frissons et la foudre qui tombe me donne envie de commencer la partie. Blablabla. Alors, c'est laquelle qu'il faut que je prenne? Celle-là, plus récente, oui. Oh mince, la souris c'est mieux. Ok, je reprends le jeu. Alors, bonjour. Ah oui, c'est vrai, on était dans un nouvel environnement. Je lance le minuteur, on en a pour 20 minutes à peu près. Et c'est vrai que j'ai un truc pour me régénérer la vie. Alors, je crois que j'avais été voir le marchand. J'avais acheté pas mal de bouffe. Et tout ce qui était machin, je pouvais pas encore le faire. Et c'est vrai que j'avais ça qui avait l'air pas mal. Mais j'ai pas les crânes. Bah du coup on continue ce niveau. Je sais pas trop où faut aller. On va aller faire un tour par là. Peut-être qu'il y a un truc que je peux pas accéder parce qu'il y a ça. Et je crois que de toute façon c'est de là que je venais. Donc on va aller sur la droite. On va pas aller en bas. On va aller à droite. Oh, encore vous. Nous nous sommes rencontrés près d'Aurora. Vous vous souvenez? On m'appelle la vieille Cora. Oui. Je croyais que c'était plutôt Cora la vieille folle. Oui, je me souviens de vous. Que faites-vous ici? Ces prairies sont dangereuses. Oh, je connais ces prairies depuis ma plus tendre enfance. Aucune créature ici ne peut me faire de mal. Oh oui, bah bien sûr, t'es complètement cheaté. Elle n'aurait pas un peu les chevilles qui enflent? Oui, je change les voix à chaque personnage, à chaque fois, c'est normal. Pourtant, cette partie de la prairie est bel et bien étrange. C'est comme si les créatures cherchaient à l'éviter. Si c'est le cas, alors vous devriez être en sécurité ici, Cora. C'est impossible, mon cher. Je ne suis pas ici pour faire du tourisme. J'ai une tâche à accomplir et je ne partirai pas sans l'avoir menée à bien. Une folle, je le savais. Vous ne devriez pas rester traîné par ici. J'ai du mal avec lui. Qu'avez-vous donc à faire? Je peux peut-être vous aider. Oh, je ne voudrais rien vous imposer. C'est un chemin dangereux et vous avez déjà tant fait pour Aurora que je n'ose plus rien vous demander. Que je n'ose vous en demander plus, c'est pareil. Ça va, je vous assure. Nous cherchons le propriétaire de ce domaine. On m'a dit qu'il pouvait m'aider. Pendant que nous partons sur ces traces, nous pourrions peut-être trouver ce que vous cherchez. Vraiment? Eh bien, disons que nos objectifs convergent, mon cher. Si vous voulez vraiment parler avec le propriétaire de domaine, alors il vous faudra m'aider. De quoi avez-vous besoin? Il y a 4 manoirs dans ces prairies. Chaque manoir abrite un objet qui m'est très cher personnellement, ainsi qu'à mon commaître du domaine. Prenez cette pierre de résonance verte, mon cher. Vous pouvez l'utiliser pour vous déplacer bien plus vite que moi au travers de ces prairies. Je ne suis toujours pas très à l'aise de laisser une vieille femme ici au milieu de nulle part. Moi non plus, Fidget. Mais elle semble savoir ce qu'elle fait. Oui, mais toi, sais-tu ce que tu fais? C'est tout, Cora. 4 objets, 4 manoirs. Honnêtement, votre requête paraît plutôt simple. Pour notre bien à tous, mon garçon, puissiez-vous avoir raison. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi diable dit-elle une chose pareille? C'est quoi, t'as encore une quête en plus? D'accord. Hello. Alors je peux aller en haut, oui ça c'est normal. Il y a 4 manoirs, faut que je trouve 4 manoirs. Très bien. Très bien. On va les trouver ces manoirs. Eh ben c'est pas par là qu'on va les trouver. Du coup... Et yolo. Du coup, c'est par en bas. C'est par en bas. Alors, il va me falloir des objets qui régènent plus vite que ça. Qui me rajoutent du régène de vie, parce que là, c'est un peu pas beaucoup. Bonjour! Ouvre-toi, sésame. Ya! Alors là, il y a un coffre. Ça m'intéresse. Il y a un coffre et il n'y a qu'un seul chemin, de toute façon. Ouais, il y en a 2. Et peut-être que par là, on peut avoir le coffre. Allez, pète-moi tout ça. Voilà. Oui, en plus, ça donne du poulet. Ça donne du poulet, les murs. Oui, poulet. Est-ce que j'ai des clés? Fuck! Il y a un marchand, au pire, mais j'ai la flemme d'aller en acheter. Alors ça, ce sont les nids de bêtes. Yeah. Ah oui, j'ai hop, il y a pas longtemps. Oui, faut que je me remette, là, ça fait quelques temps que j'ai pas joué au jeu.
Et bah. Feu! Voilà. Non mais. Donne-moi tout ce que t'as pas. Hop. Attendez, ça marque qu'on peut juste aller à gauche. Ça veut dire qu'à droite, il y avait un secret. Si mon instinct ne me trompe pas. J'espère avoir été suffisamment perspicace. Yo! Youhou! Voilà. Hop, hop. Hop là. Par là! Oui! Deux clés! On va pouvoir aller chercher le coffre! Allez! Pour un peu qu'il nous redonne une clé, ça serait cool. Marche, marche dans les airs! Yeah. Alors, c'est parti! Déverrouillage à la Skyrim! Ah! Ah! Oui! C'est tout? Juste de la monnaie? Juste de la monnaie? Sûr, j'en avais pour moins cher à acheter. Pendentif de lâche. Il est nul. Le mien est mieux. Ah. J'en aurais eu pour moins cher à acheter une clé. Plus cher à acheter une. Non, j'ai chopé moins d'argent qu'une clé. Bref. Je me comprends. Et c'est pas forcément très logique. Oh, il pleut! Boum. 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 Baston! Baston! Oh, ça c'est nul, ça t'a brisé ma chaîne. Je suis trop fort. Je suis trop balèze. Wow, t'es trop classe toi. Je sais pas qui t'es, mais t'es trop classe. Aïe, 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 aïe. Pourquoi? Attendez, faut qu'on m'explique un truc là. Non, c'était là. Merde. Ah, je suis dégoûté. Du coup, on va passer ça en vitesse. Je comprends pas. C'est bla 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 bla. Oui. Ça c'est bête qu'il n'y ait pas un système de checkpoint. On s'en fout. S'en fout. Laissez-moi. Oui. Bah c'est plus court tout à l'heure. Voilà. Qu'est-ce que c'est que... Je comprends pas pourquoi ça n'a pas régène ma vie. C'est le match bizarre là. Ah non, santé plus ça. Qu'est-ce que c'est fou et ça. Voilà, mais ça. Tu m'étonnes que je gagnais pas de santé. Oui, du coup, je sauvegarde. Voilà, au moins j'aurais pas le dialogue à me retaper. Désolé. Désolé, on speed. Allez, mène-toi. Je sais ce qu'il faut faire, je vais pas perdre de temps. Hop là. YOLO. Hop, hop. Hop. Hop, je possède le soin. Faut que je répète ça. Moi j'aime un peu la vie. Allez, voilà. Voilà, voilà, voilà. Hop. Redonne-moi ça, comme ça je pourrais le vendre. Juste bouffer. Oui, je m'en fiche. Je m'en fiche de ça, je veux bouffer du poulet. Voilà. Ça, c'est fait. On rebat les insectes. On va pas être trop long. Yep. Yep là. Attention, si je me gratte le menton, ça va être compliqué. Alors, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir fait un truc. Genre un coup de genou dans les airs, mais non. C'est pas grave. J'ai fait tomber des trucs. Allez. Allez, allez, concentration. C'est pas le moment de perdre.
Non, mais... Non! Putain, je savais. Faut pas sortir de la carte, c'est pas le bon plan. Alors, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à faire un truc. J'ai réussi à activer le feu super facilement, sans vraiment faire de... Ne me renvoie pas le monstre explosif, s'il te plaît. Je sais pas trop. Ouais, bah, je pense qu'il faut juste le battre avec ça. Ça brûle ou pas? Est-ce que ça brûle, enfoiré, bah? Tiens, brûle, 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 brûle. Bah, ça fait beaucoup de monstres, quand même, hein. En tout cas, je fais un de ces hits de combo, là. C'est assez fou. Forcément. Ah mince, j'ai pété la chaîne. Wouh! Eh ben, c'est un sacré sac à PV. Pendentif à mon plan. D'accord, ok. Oui, c'est bon, bah faut juste le battre avec ça. Ou alors il y a un truc que j'ai pas compris pour le battre. Enfin bref, j'ai réussi à le battre, c'est l'important. S'il pouvait y avoir un petit point de sauvegarde. Je crois que bleu, de toute façon, c'est point de sauvegarde, non? Donc si je pouvais éviter de mourir, ça m'arrangerait. Pom, pom, pom. J'apprécie fortement mes capacités. Voilà, allez. Ouf, moi, je me sens bien. Et je commence à avoir très très faim. Parce que c'est actuellement le midi et j'ai vachement faim en fait. Donc ça c'est embêtant, mais bon, tant pis. Je mangerai après avoir tourné. Table. Méchant. Plan. Qu'est-ce que c'est? Ah oui! Oh, j'ai chopé un crâne! Impeccable, va falloir que je le vende. Ah, vache, ça augmente pas mal mon attaque, hein, ça la double. Va falloir que je vende le crâne pour les chopes. Et de toute façon, bah voilà, il y en a une là. Il me faut une bombe. Give me a bomber. Nobody want to give me a bomber. Y'a pas de bombe, ça? Wow. Ouais, mais là, ça remonte loin. Comment je peux remonter? Ah. Allez, go. Non, non. Bon. Non. J'ai pas été assez performant. J'ai joué comme une merde. Bon, c'est bon. Moi, je sais que c'est possible. On va pouvoir vendre aux échoppes, tout ça, tout ça. Il va juste falloir que je joue mieux que ça. Ah, putain. Non, ils veulent pas revenir. J'aimerais bien avoir le coffre, quand même. Ouah, non, attendez. Mais non! Ça risque d'être compliqué, ça risque d'être compliqué. Allez, réapparaissez. Je veux pas venir là. Non, non. Faut que je retombe encore. Ah. Oui. Oui. Et vous venez. Ah ah ah. Hop là. J'ai la bombe à côté de moi, c'est pas le bon plan, ça. Ah! Qu'est-ce que j'ai chopé? J'ai chopé un truc. Mais ça, je m'en fous. Ouh. Un champang. J'ai chopé un haut, je crois. Ouh. Par-dessus de détective. Ah oui. Je prends. Bon, ça sera mieux. Ça sera encore mieux. Mais bon.
Il y a juste ça qui est mieux. D'accord, ok. Oui, bah la bombe, tant pis pour toi. Hop. On va essayer d'amener celle-là. Tombe pas, abruti. Non, non, non. Non. Allez, dépêchez-vous, les fruits secs, là. Voilà! Putain, enfin! Voilà, bon, allez. Salut! Passer en mode vente. Qu'est-ce que je ne t'ai pas vendu? Alors, ça. Le crâne. Tiens. Cadeau. Ensuite, peut-être que je peux te vendre des trucs. Genre ça. Tu vois, ça, j'en veux pas. Ça, j'en veux pas. Ça, j'en veux pas. Blablabla. Sachant que je vais forcément faire ce gilet-là. Après, je crois qu'il y a le fourreau. Et le fourreau, il me faut des crânes. Ça, je pourrais même le faire en attendant. Je vais faire le fourreau, celui-là, mais... Il me faut de la bouillasse, là. Je ne sais pas ce que c'est. Il m'en faut, là aussi, 5 plus... Combien il m'en faut? 5 et 5, 10. Il m'en faut 10. Est-ce que tu as de la bouillasse pour moi, s'il te plaît? Alors... Allez. Est-ce que tu as de la bouillasse? Ah, bah, il m'en faut 10. Impeccable. Hop. Et tu as déjà deux crânes. Marche, les prends aussi. Voilà. Et je vais te prendre un peu de bouffe. Je vais te reprendre des bretzels. Tiens, cadeau. Marché. What the... Je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Alors. Je devrais peut-être aller sauvegarder. Bon, c'est pas grave. Ah bah, il y en a un là, un point de sauvegarde. Il y en a un là, et ça a l'air d'être un cul-de-sac. Que nous arrive-t-il? Sauvegarde! Oui! Alors, je vais regarder à combien de minutes on est. Il nous reste 2 minutes, donc on est même pas à 20 minutes. On va continuer un petit peu après. Et ça, ça doit être le premier manoir. C'est parti. Manoir Bardel. Où est le petit effet, là? Donne-moi ça pour voir. Note, ajouter mot du domestique. Oui. Oui. C'est beau, en tout cas. What? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce truc? Dust, cette sauge existe sur un niveau que je ne peux pas atteindre. Cours! YOLO! YOLO! Non! Non! Vite! Bon, heureusement, il va pas vite, mais... Mon poulet! Comment on fait? Ah, faut monter! Ah! Le poulet! Le poulet, what? Il est parti!
Je crois, oui. C'est ce dont Cora parlait. Bon, cette Cora fermière, comment ça va s'expliquer? Ça devient insupportable tout ça! Je lui fais une voix particulièrement pourrite. Salut! C'est quoi, j'ai chopé un iPad, c'est ça, non? YOLO! Nouvelle compétence! Poigne de fer! Oui! Oui! Bouh! Bouya! Oh, mince! Mince! Bon, ça va être compliqué à utiliser, ça encore, je le sens. Mais abruti! T'es mignon, toi, mais... Mais tu te fous de moi, quoi? En suspens, vous pouvez diriger votre prochain saut. Bah oui, mais t'es mignon, mais... Ah, c'est drôle! Il se fout de moi, quoi. Ouais, bah voilà, fallait que je fasse vers le haut. Coffre au trésor. Échoppe réapprovisionnée. Oui, je veux. On va aller faire un tour aux échoppes. Et voir s'il n'y a pas moyen de fabriquer deux, trois petits trucs. Ah, le coffre doit être là-haut. De toute façon, je crois que je n'ai plus de... J'ai plus de clé, je crois. Que j'en ai peut-être encore une qui traîne, je ne sais pas. Ouh. Ah. Mais. Ouh, une clé. Bah voilà, au moins j'en ai une. Ah bah c'est ça le trésor. D'accord, ok, les clés qu'on donne des trésors, je ne savais plus. Hop, il a tout défoncé. Allez. Vous pouvez vous laisser tomber dans les escaliers qui descendent. Ah d'accord, ok. Allez, crevez. Ouh, un hot dog. Vu d'où il vient, je le mangerai pas personnellement, mais bon. Si ça peut toujours aider. M'énerve ces insectes. Hop. Bon bah, au moins on a chopé une compétence qui est bien pratique pour se balader, si je puis dire ça comme ça. Allez, on se casse. Puis je commence à avoir la goutte au nez. C'est quoi, je peux aller à gauche maintenant, c'est ça? Ah d'accord, ok, je peux passer par au-dessus. Mais ça ne m'intéresse pas. On va aller faire un tour au magasin. Wouah! Non, je veux passer! On n'a rien vu, je suis plus poursuivi, ok? C'est bon, je peux passer, c'est bon. Aïe! Oh. Bonjour! Bonjour! Allez! Échoppe! Voilà! Salut! Ça farte? Je veux des crânes! Je veux des crânes! Oui, je tout prends les crânes! Ok, de rien. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Ça me chatouille le nez. Alors ça, il me manque un. Ça me chatouille le nez, alors je vais juste... Il me manque un grain de cinq. C'est très embêtant. C'est très très embêtant. Parce que j'aimerais bien faire ça. Bon, du coup, tant pis, c'est pas grave. J'espère que l'épisode vous a plu. On va s'arrêter là, je vais aller au point de sauvegarde. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, un commentaire, à vous abonner à la chaîne si vous me découvrez. Attends, je vais te défoncer encore, tu vas voir. Minerve va te téléporter comme ça. Aïe. Tu vas brûler, oui. Allez. Non mais... Oh la vache, j'ai bondi super haut, c'est quoi ce délire?
Oh non, j'étais à presque 600 de chaîne. En tout cas, j'étais super... Et toi, tu vas crever, oui. Tiens. Oh putain. Et ben voilà. Aïe. Aïe. Vous arrêtez, oui. Hop, un petit truc. Aïe. Non mais. Ouh. Ce fut un beau combat. J'ai presque... Hop. C'est cool. C'est cool. Bon, allez, on s'arrête là. Point de sauvegarde. Pouce vert, commentaire si vous avez apprécié. Abonnez-vous à la chaîne si vous me découvrez. N'hésitez pas à aller voir les autres... Les autres séries qui sont sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à aller sur Twitter. C'est dans la description. Tout ça. Comme d'habitude, je vous fais plein de bisous. Je vous fais des petites caresses sur le nez et des bisous sur les fesses. À la prochaine. Salut à tous. Portez-vous bien. Bye bye. Yata. Bonjour.